elle était bien cute quand elle était jeune. Ah, elle a la grippette. Oh, période hippie. Ça, ça doit être quand elle a fait une tournée avec Don Juan. Oh, mon Dieu, Doris Diamant était tellement bonne dans Robin Stella. Maudit que j'aurais aimé ça qu'il fasse des DVD. Bon, mais je pense qu'elle aussi aime les animaux. Elle vient de se taguer au zoo de Granby. Salut, Carole, ça va bien? Hein, Sylvain, c'est lourd! On va prendre une petite photo, regarde. OK. J'ai une petite question un peu intense pour toi. Est-ce que, d'après toi, l'intimidation, c'est un nouveau concept? Ah! Nouveau? Non, sûrement pas. Je pense qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Ça a toujours existé, mais peut-être qu'il y a peut-être qu'il y en a plus qu'avant, par contre, avec les, tu sais, la technologie, les nouvelles technologies. Il y en a beaucoup. En as-tu vécu, toi, personnellement, quand tu étais jeune? Je n'ai jamais intimidé personne. Si j'en ai vécu, sur une forme peut-être moins agressive que ce à quoi on faisait allusion, quand j'étais petite, il y avait une petite fille dans ma classe qui s'assoyait toujours derrière moi et qui me murmurait à l'oreille des choses qui me blessait énormément et qui me faisait perdre confiance en moi. Alors, ce qui arrivait, c'est que matin après matin, j'arrivais à l'école, je me rendais à l'infirmerie, je prétextais que j'étais malade pour ne pas entrer dans la classe. Et puis, c'est dommage parce que j'aimais l'école puis je réussissais bien, mais je n'étais pas capable de l'affronter. Et ça a miné ma confiance en moi à ce moment-là. Et professionnellement, après 40 ans de télévision, est-ce que les gens ont l'impression de te connaître tellement qu'ils peuvent se permettre des commentaires personnels? T'appartiens un peu aux gens, hein, dans la tête des gens, quand tu fais de la télé, c'est sûr. Puis c'est un peu normal aussi. Puis ça fait partie du métier aussi, hein, d'être ouverte quand même à répondre aux gens. Des fois, c'est un petit peu... À un moment donné, oui, il y a une dame qui m'avait dit, parce que j'avais maigri volontairement, j'avais arrêté de fumer, et la dame s'est permise de me dire... Vous avez maigri, vous avez beaucoup trop maigri, je suis convaincu que vous êtes malade. Puis je dis non, c'était volontaire. Non, vous êtes malade. Je vous le dis, madame, allez voir le médecin. Vous avez sûrement un cancer. Je vous le dis, vous avez sûrement un cancer. Et là, j'étais. C'est vraiment très intense. Ah oui, non, là, c'est bouleversant, là. Je veux dire, il faut que tu t'obtiennes, là, pour pas faire la morale un peu aux gens qui se permettent ce genre de. Mais il y a sûrement des anecdotes plus sympathiques. Oui, il y en a qui sont très sympathiques. Il y en a qui sont pas nécessairement sympathiques, mais qui peuvent être comiques. Je pense tout de suite à l'ascenseur. Je passais une audition, j'étais dans l'ascenseur avec des talons hauts pour l'audition. Et il y a une dame qui, avec son mari, me reconnaît et dit « Gérard, je suis sûr que c'est elle. » Elle s'adresse pas à moi. Elle se retourne, elle me dit « C'est vous? » Je dis « Oui, c'est moi. » « Je le savais, Gérard! Je le savais que c'était elle! » Et je tombe par terre tellement qu'elle me secouait. J'étais rendu par terre, puis elle avait du fun de dire « Mon Dieu, c'est merveilleux, c'est vous. » J'étais par terre dans l'ascenseur. C'est le genre d'affaire qui peut arriver. Et une autre fois, dans une toilette publique. Une toilette. Je rentrais dans le cabinet, tu sais, et il y a une dame qui me reconnaît au moment où j'entre, et elle entre avec moi, « Excusez-moi, ça sera pas long, non, mais fou, je vous parle, je vous aime tellement. » Dans les toilettes. Ça, je trouve ça très drôle. Quelqu'un t'aime à ce point-là. Je veux tout savoir, mais en attendant, là, pendant que tu me racontes cette anecdote-là, on va-tu nourrir les raies? Les raies? Les poissons? Oui, on peut nourrir les raies au zoo. Les raies, j'aime ça. C'est bon à manger, trop vite. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, tu prends le poisson entre tes doigts, tu glisses ça dans le bassin. Mais mange quoi?